voici à... Ah oui, le poids de la brique. Si on n'écoute plus de la brique à la terre, oui. On serait à 9 kilos. Ouais. Ah, c'est énorme ça. Donc vous économisez de la terre en plus, de l'argile. Oui. De toute façon, dans un appartement en R1, pour montrer qu'on peut mettre aussi de la terre plus. D'accord. Ah oui. Mais la brique, après, il faut la cuire ou... Non, c'est la cuisse. Naturelle. C'est séché naturellement. Ouais. D'accord. C'est parti, je vais chercher où alors? Ah bah ça dépend, c'est des terrassiers. Par exemple, souvent les industriels ils font des panneaux avec et puis pour l'expanser, quoi, il le chauffe à différentes températures. Et puis donc il y a un gisement quand même assez important de liège. D'accord. Thank you.
de blason avec leurs armoiries. Devant un bâtiment qui est en service, qui s'appelle l'espace public du littoral, mais qui a été jusqu'en 1994 la gare SNCF de Saint-Valery.
C'est une gare qui a vu naissance, si j'ose dire, au moment où en France, le réseau ferré est devenu d'une densité extraordinaire. L'idée, c'était que tous les chefs-lieux de canton soient reliés les uns aux autres. On y est presque arrivé. Et donc, on a eu des gares très éphémères, hein, parce que c'était des circulations qui ont fini par décroître. Bon, et en 94, la SNCF a décidé d'arrêter cette voie. Il y avait la construction de l'autoroute A29, donc ça a arrangé tout le monde de trouver un discours officiel sur l'arrêt de la circulation. Mais donc, on a perdu, nous qui habitons ici, la possibilité d'aller à Paris ou ailleurs en train. On va voir commencer à fleurir des affiches comme celle-ci, que vous avez sans doute vues, hein. C'est-à-dire, on commence l'épopée touristique, la balnéarisation, et ça va, ma foi, apporter une nouvelle économie à un port en déclin, car Saint-Vallier-en-Caux perd son activité de port de commerce au profit de Fécamp et de Dieppe. Et donc, là, l'économie va se transformer, certains vont devenir hôteliers, ou vont louer leur maison, d'autres vont faire des travaux pour les villégiaturistes, qui sont de plus en plus nombreux à venir. Donc il y a toute une économie qui se met en place. C'est la même chose à Beaune-les-Roses. Les artisans sont plutôt satisfaits de la chose, parce qu'ils apprennent aussi au contact des exigences de leurs clients, qui sont pas les mêmes que leurs clients habituels. Ce qui va se passer, c'est un petit peu le même accident que celui qu'il y a eu à la gare Saint-Lazare. C'est-à-dire que le train... Ah, carrément. C'est également Parnasse. Oui, mais j'ai dit Saint-Lazare. Ouais. Parnasse, tout à fait, bien sûr. C'est beaucoup plus donc, la gare va être transpercée par un train, qui est un genre de train à bestiaux. Sauf que ce ne sont pas des bestiaux, ce sont des soldats américains, des GIs, qui viennent poursuivre le combat jusqu'à la fin de la guerre, hein, parce qu'on est qu'en janvier, et la guerre, c'est mai 1945. Donc, eux, ils viennent ici. Ils viennent ici pour se préparer à monter au front. Mais aussi, quand ils reviennent du front, pour faire un tampon entre leur combat et leur retour aux États-Unis. Et donc, pour ce faire, dans les environs, et dans toute la Seine-Maritime d'ailleurs, on va construire des camps cigarettes. Les camps cigarettes, ce sont des villes de toits, des villes de tentes. Celui-là se trouvait à Saint-Riquier. Il s'appelait Lucky Strike, comme les cigarettes. Et il pouvait accueillir 58 000 GIs. Lesquels étaient plutôt bien accueillis, parce que il y avait tout confort, il y avait des hôpitaux, des dentisteries, comme on disait, il y avait des théâtres, il y avait tout ce qu'il fallait pour, disons, égayer la vie du GI, qu'il soit revenu du front ou qu'il ne vienne pas. Et donc, on a eu dans notre département, ça c'est donc la carte de Seine-Maritime, les points de couleur que vous voyez sont des camps cigarettes. Donc le nôtre, c'est Lucky Strike. Vous aviez un camp à côté de Yvetot qui s'appelait Old Gold. Bon, je vais pas tous vous les dire. Il y avait Paul Mall, il y avait 20 Grand, et puis Philippe Maurice, bien sûr. La rue de l'église, la rue du château, la rue du roi, tout ça, ça disparaît. Au profit de la rue de la libération, la rue de la liberté. Voilà, c'est à cette époque-là que ces noms de rue apparaissent. Ça va durer une cinquantaine d'années, et puis, bah, tout ça, ça s'essouffle. De rue de l'église ou rue du roi, certaines réapparaissent. Environ 450. Et c'est une ville qui, d'ailleurs, comme tous ses environs, complètement changé à nouveau d'économie pour une raison toute simple, vous les connaître. Si tout a changé, la finance des communes a changé, la démographie a changé d'un seul coup. Pour une raison simple. La centrale de Palais. Qui a donc un projet qui s'est déroulé entre 1977 et 1984, et qui a fait venir une population ouvrière EDF qui avait été débauchée dans le charbonnage du Nord. Donc toute une population de ch'tis qui est arrivée ici, qui a fait souche, c'était des familles. Et puis, surtout, une taxe professionnelle qui a abondé par un système de district. Les finances des communes environnantes. On voit tous les tracés de Saint-Valery. Et donc là, si je ne parle. Je rappelle simplement une chose, c'est que le système de fiscal français s'est longtemps appuyé sur quelque chose de particulièrement injuste. Et ça va pas être long, mais vous allez comprendre. Ça, c'est la carte des Gabelles en 1781. Donc, 7 ans avant la Révolution française, 6 ans, 8 ans avant la Révolution française. Nous sommes dans la zone blanche.
C'est la zone de Grande Gabelle. On paye plein pot. Là, on paye presque pas. Là non plus. Là non plus. Là, on paye pas trop, là. Mais ici, on paye. Là, on paye bizarrement. C'est sur les Gascons, vous savez, les gens du Sud-Ouest. Ils avaient trouvé un système. Bref, là, on paye cher parce qu'il n'y a pas de saline sur le territoire. Là, on paye pas cher parce qu'il y a les marais de Guérande et puis qu'il y a une tradition de salines en Bretagne. Hein. Il y en a aussi sur le Languedoc, les salines. Il y a des salines continentales aussi, hein, dans l'est de la France. Et puis le Cotentin, lui, il a obtenu l'autorisation de filtrer l'eau de mer et de la déshydrater. Rentrer, ça demande les autres. Je pense qu'elles aiment le battement des marais. Donc on retrouve ce parc à huîtres sur une carte. On voit déjà un pont Écluse. On voit une tour également qui servait par un système de cordes ou de chaînes à fermer le port. Bonsoir, bon fin des ponts. Et puis on voit qu'il y a déjà beaucoup de peuplement dans ce quartier-là, qui est le quartier plus ancien. Les Valriquiers vont peut-être concevoir une petite envie d'avoir leur propre pénitent. En tout cas, les nôtres arrivent en 1623. Donc c'est une toute petite communauté, 5-6 moines. Hein. Qui sont très branchés sur la population, parce qu'on y vient aussi pour se faire administrer. Ils peuvent se déplacer pour administrer les sacrements de décès. Donc ils déchargent le clergé de cette obligation. Ils connaissent la médecine, ils soignent. Ils ont un jardin médicinal qui existait encore il y a une quinzaine d'années. Ils ont des connaissances psychologiques, enfin ce sont des assez érudits. Hein. Donc ça va être un lieu important pour la commune. Et à l'époque, il faut imaginer qu'il n'y avait pas toutes ces constructions. Donc de surcroît, ils étaient dans un lieu de belle hauteur par rapport à la situation ambiante. Comme beaucoup de lieux anciens qui choisissaient d'être en hauteur pour pouvoir venir à l'assaillant, on ne sait pas. Donc ce cloître a été. Le cloître, on en voit encore les arches. Au-dessus, vous aviez des réfectoires, des salles, enfin des cantines, enfin des choses comme ça. Une chapelle de belle taille hein, que vous voyez ici. L'ensemble donc a été déclaré vraiment insalubre et dangereux il y a une quinzaine d'années. Mais c'est resté comme ça pendant quelques années. Il ne se passait rien, les toits fuyaient, les planchers s'effondraient. Et il y a eu un nouveau maire, une femme en l'occurrence, qui a décidé de prendre l'affaire en main et qui a confié la rénovation de ce cloître à une société privée.